Donc, c'est votre sœur Angelina. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour faire appel à quelqu'un qui sera touché par les messages que je vais envoyer. Vraiment, c'est du sérieux. Ça va être la première fois. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de vidéos, tout ça. Mais cette vidéo, ça sera la première que je viens comme ça vous demander de l'aide sur quelqu'un, pour quelqu'un. Et c'est pas dans le vide comme ça, mais c'est quelqu'un que je connais. Ça fait quelques années que je l'ai connu. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Congo, j'étais parti au Congo. J'étais parti chez lui, donc dans sa maison où il habite. Parce que c'est quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu, il aide les orphelins, les enfants démunis. Ils sont des jumeaux, c'est Pasteur Meshach et Pasteur Abed. Ils sont au Congo, ils aident vraiment, vraiment, vraiment des enfants, quoi. Et eux-mêmes, ils disent que ce n'est pas des enfants orphelins, ce n'est pas des enfants démunis, ce sont leurs enfants. Voilà. Et j'étais parti chez eux. J'avais même fait des photos parce que j'avais vraiment envie de demander aussi l'aide pour eux. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur depuis un certain moment. Je pense qu'on a fait des vidéos il y a quelques temps, il y a quelques années passées. On avait parlé de ça. Notre envie ou notre idée, c'est d'aider aussi les autres. C'est vraiment important et c'est biblique. Nous devons nous aider les uns les autres. Et j'étais parti, j'avais profité vraiment. Je me suis dit que voilà, lorsque je serai au Congo, je dois passer à, ou je passerai chez les pasteurs, mes chèques, pour voir comment ils sont avec leurs enfants, tout ça. Parce qu'on était en contact il y a très très longtemps. Et lorsque vraiment j'étais parti au Congo, j'ai pensé à eux, je suis parti les voir. Et je voyais la condition, comment ils vivaient, et c'était pas du tout bien. Ça, je dois dire la vérité. C'était pas du tout bien parce que c'est eux-mêmes qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont des hommes, hein, ce n'est pas des femmes, donc ce sont des hommes. Ils s'occupent de ces enfants-là, ils ont donné leur cœur. Ce sont des célibataires aussi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, ils se préoccupent vraiment de ces enfants, quoi. Ce sont leurs enfants. Et en partant, avant, j'entendais au téléphone, on parlait, tout ça. S'il y avait quelque chose, je pouvais aussi participer. Mais le jour que je suis parti voir, mon cœur était plus touché, vraiment touché, de voir comment ils étaient, à quelles conditions ils vivaient, à quelles conditions. Et l'école, c'était même dans leur propre maison. Donc il y avait des chambres qu'ils ont partagées, c'était des écoles, c'était des classes différentes, ou de différentes classes. J'avais parlé avec les profs, j'ai parlé avec la maîtresse, donc c'était dans mon cœur, j'avais mal. J'avais mal. J'avais vraiment mal. Et je me suis dit, comment je vais les aider? Déjà là, je ne travaille pas. Comment je peux les aider? Mais bon, depuis que j'ai de temps en temps, si j'ai un euro, on partage ensemble, deux fois. Ça arrive qu'on partage. Et c'est vrai que dans mon cœur, je tiens vraiment à les aider. Et je me dis que moi-même, je ne pourrais pas le faire vraiment bien. Je ne pourrais pas. En ce moment, le pasteur, il est malade. Depuis longtemps, 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 il était aussi malade. Ça fait 8 fois qu'on l'a empoisonné. Parce que leur histoire, j'aime bien leur histoire. La chose qui m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, c'était vraiment leur histoire. Qui m'a approché vers eux, c'était leur histoire. Dès bas âge, ils ont commencé à servir le Seigneur. Donc, ils ont dit eux-mêmes dans leur témoignage, dès l'âge de 3 ans, ils ont commencé. Je les ai découverts sur Internet. J'avais beaucoup aimé leur témoignage parce que moi aussi, j'aime travailler avec les enfants. Et voir les enfants de 3 ans, Dieu était en train de les utiliser pendant qu'ils étaient tout petits, avec des miracles, des prodiges, tout petits, dès l'âge de 3 ans. Et moi, j'étais vraiment. Voilà quoi. J'avais beaucoup aimé leur histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Je les appelle, on parle, je vais plus appeler les pasteurs Abed. Et on a parlé, tout ça. Et après, je commence à parler aussi avec le pasteur Meshach. En ce moment, je suis plus en contact avec le pasteur Meshach et pasteur Abed. Donc voilà. Donc en ce moment, le pasteur Meshach, il est vraiment malade. Voilà, il a besoin de l'aide. Comme j'étais en train de dire, leur histoire m'a beaucoup touché. Et ils ont parlé, j'ai les. Comment je peux dire?
Je ne sais pas si je peux les montrer là. J'ai la vidéo où je peux mettre ça plus tard. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais quand même voir, essayer de mettre ça plus tard ou avant ou après. Je vais voir comment je vais faire. Mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Vraiment, j'ai besoin de votre aide, qu'on puisse les aider parce qu'en ce moment, il est malade, il est à l'hôpital. Il n'est pas bien. Donc, comme je viens de dire, là, c'est lui. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si j'ai bien fait aussi. Non, c'est comme ça. Donc là, c'est lui qui est vraiment à l'hôpital et malade. Avant de montrer cette vidéo, j'ai essayé de parler avec lui. Aujourd'hui, on a parlé un tout petit peu. Je lui avais dit, j'aimerais que vous parliez et j'aimerais vous enregistrer. Parce que lorsque je vais vous enregistrer, je pourrais aussi faire les messages à mes proches, tout ça, à mes groupes ou les groupes WhatsApp que j'ai créés, tout ça, pour qu'on puisse aider quelqu'un qui ne va pas bien, qui est malade, qui est sérieusement malade. Donc voilà, il m'a dit oui, tu peux, mais je ne pouvais pas parce qu'on était en train de parler en même temps. Après, il m'a fait une audio. Et l'audio, c'est un lingala, donc je ne peux pas le mettre. L'audio, c'est un lingala, je ne peux pas mettre cet audio-là. C'est un lingala. Donc voilà, peut-être je peux mettre, mais on va interpréter, voilà. Donc c'est un peu plus long. J'essaie de mettre l'image comme ça et j'essaie, je ne sais pas si vous allez voir ou si vous allez bien voir. Si vous ne voyez pas bien, j'essaierai de mettre ça plus tard. Ça, c'est. Deuxième vidéo qui va me faire, ça c'est la deuxième vidéo, là c'est un enfant de, je pense que de son, c'est son enfant quoi, voilà. C'est lui qui est en train de filmer. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Donc il est gravement malade, ça fait 8 fois qu'on l'a empoisonné. Pourquoi? Comme je viens de vous dire, les gens ils étaient jaloux par rapport au ministère que Dieu les avait donné. Donc Dieu les utilisait depuis qu'ils étaient enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils continuent à servir le Seigneur. Et ça m'a beaucoup aussi touché. Moi aussi, j'ai des enfants. J'ai travaillé avec les enfants. J'aimerais bien que les enfants, comme on dit les vaillants héros, nos enfants, puissent servir le Seigneur. Donc, les enfants de mon église, les enfants d'autres églises, les enfants de la rue, je ne sais pas, partout dans le monde, que les enfants cherchent Dieu. Là, c'est vraiment ma passion. Et par rapport à ça, voir que Dieu les a utilisés, ça m'avait encore une fois donné la force, quoi. Voilà, bref. Si je dois insister, j'aimerais dire ceci. Ils ont souffert. Le poison qu'il a dans son corps, là, c'est le poison. Le poison qu'il a dans son corps, c'est parce qu'il servait le Seigneur. Il m'a expliqué, aujourd'hui, il m'a encore plus expliqué en disant que les parents, la famille de sa maman, comment je peux dire? Ils étaient plus des païens et plus des musulmans. Donc, ils sont. À leur époque, lorsqu'ils étaient nés par les Jésus, tout ça, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, grâce à Dieu, son histoire, c'est tellement touchant. Leur histoire, c'est vraiment touchant. J'aimerais me taire dans d'autres parties. J'aimerais bien que ce soit lui-même qui parle de ça. Un jour, si le Seigneur permet, je pourrais essayer d'interpréter un tout petit peu, dire à quelqu'un de traduire, voilà, et traduire ce qu'il a dit dans la vidéo qu'il m'a fait des 16 minutes. J'aimerais que quelqu'un m'aide à traduire, mais on va voir si je pourrais les traduire. On va les faire. Si je ne peux pas les traduire, voilà, Dieu va nous aider. Mais vraiment, le but est que, voilà quoi, qu'on puisse les aider. Mais il me parle de son histoire, que grâce à leur ministère, Dieu a sauvé beaucoup, beaucoup des âmes. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées au Congo. Je pense il y a des gens qui connaissent Nzambé Malam. Nzambé Malam, c'est l'église des bons dieux. Voilà, bon Dieu, moi je le connais en Angola. Oui, j'ai une histoire par rapport à ça. J'étais voisine dans l'église des bons dieux. Voilà. Bref, je connais l'histoire de l'église des bons dieux. Et c'est. Donc, et ils servaient le Seigneur là-bas. Leur pasteur, c'est le pasteur Adinabala. Voilà. C'était leur pasteur. Et là, il est en ce moment décédé. Voilà pourquoi ils servaient vraiment le Seigneur, ils aimaient Dieu. Bon, je vais aller droit au but. Est-ce que quelqu'un peut aider notre pasteur qui est empoisonné? Ça fait longtemps qu'il est empoisonné. Et dans son corps, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus comme il faut. Donc, il m'a dit qu'il a la tension, il m'a dit les yeux ne voient plus bien, il a la diabète. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son corps. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui aime les serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, c'est un homme simple, humble, je le vis. Humble comme bonjour. Simple comme bonjour.
En ce moment, si nous n'aidons pas notre frère ou notre pasteur, je sais que Dieu peut utiliser d'autres personnes pour le faire. Mais moi, ça me fait mal parce qu'il y a quelque chose de grave qui peut arriver. Donc voilà, c'est pour cela que je dis vraiment, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Est-ce que quelqu'un peut contribuer? Parce que c'est là, il est à l'hôpital, il me dit qu'il va sortir demain à l'hôpital. Même s'il sort à l'hôpital, il ne pourra pas. Voilà, il n'a pas pris vraiment les traitements qu'il fallait. Là, moi aussi, je l'ai envoyé une audio. Je lui ai demandé, vous avez besoin de combien? Mais il ne m'a pas encore répondu. Je ne sais pas s'il a besoin de combien. Mais ça ne sera pas moins de 1000 euros. Ce n'est pas moins de 1000 euros. Parce que c'est le poison. Et 8 fois, ça détruit le corps. Et le docteur, il m'a dit que le docteur qui est en train de le suivre, ce docteur-là, c'est lui qui est en train de faire tout. C'est lui qui est en train de faire tout. Ah, même, il est en train d'aider. Voilà. Parce que le docteur avait dit que je comprends que vous êtes vraiment serviteur de Dieu. Pourquoi? C'est que je vois, si vous n'étiez pas un vrai serviteur de Dieu, vous allez déjà mourir. Mais c'est vrai que grâce à Dieu, il est là. Il vit encore. Et moi, j'aimerais dire ceci. Les enfants qui sont avec eux, il y en a que les parents ont déjà abandonné. Il y en a que les parents peut-être sont déjà décédés aussi. Mais si le pasteur n'est plus là, qui pourra prendre soin? C'est vrai, ils sont à deux, il y a d'autres personnes à côté. Mais s'il n'est plus là, s'il n'est plus là. Ils sont à deux, il y a le pasteur Abed, mais le pasteur Abed en ce moment, même quand je suis parti au Congo, il n'était pas avec le pasteur. Il était, je ne sais pas s'il était où, mais il n'était pas avec le pasteur en ce moment-là. Mais ils collaborent ensemble. Je viens d'entendre le message trop triste du pasteur Abed pour son frère. Il demande vraiment de l'aide, ils ont besoin de l'aide. Et moi aussi, j'aimerais dire ceci, si on peut aider. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire le montant, moi je ne sais pas. Si vous avez quelque chose, je vais vous donner sur ma vidéo, je vais mettre mon numéro, je vais mettre son numéro aussi du Congo. Si vous pouvez appeler, c'est un numéro de WhatsApp. Vraiment, je vais envoyer à tous mes contacts. À tous mes contacts. Je regrette de ne pas faire l'association. Je voulais créer une association pour qu'on puisse aider aussi. Ouais, c'était ça mon. Aider quoi, aider nos frères, nos soeurs en Afrique, en Amérique, je ne sais pas où les gens souffrent. Ça peut être ici en Europe ou je ne sais pas où. Mais on ne veut pas voir quelqu'un souffrir. On ne veut pas voir quelqu'un souffrir quelque part. Quand on dit qu'on ne veut pas voir quelqu'un souffrir, ici peut-être on peut dire qu'on souffre, mais non. 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 Des fois, il y a des gens qui se suicident pour des petites choses. Je dis non. Il y a des endroits où les gens souffrent vraiment. Il y a des endroits où les gens souffrent. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse les aider. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. S'il vous plaît. Aidons parce qu'il y a un échec. Et quand je dis aider, dans la prière, oui. Si on peut aider dans la prière. Et si on peut aider aussi financièrement. Le but est qu'ils puissent se faire soigner. C'est ça le but. Qu'ils puissent se faire soigner. Si je donne 100 euros, 50 euros, c'est pas beaucoup. Ça va rien faire. C'est pour cela que j'ai besoin de vous aussi. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je mettrai les images après. Nous allons voir quand même. Il est à l'hôpital. Et l'audio, je vais essayer d'envoyer à mes amis qui sont occupés à Lingala, s'ils peuvent aussi contribuer. Je vais voir comment je vais faire pour que je puisse demander vraiment le secours. Mon but est que cette vidéo, ou que cette vidéo, j'avais pas envie de faire la vidéo, j'ai l'air fatigué. J'avais pas le courage, mais j'ai prié, je dis, Seigneur, donne-moi le courage que je puisse faire cette vidéo. J'aimerais aider mon pasteur. Quand on parlait tout à l'heure, j'avais envie de. Je savais pas, pleurer, ça va pas donner la solution. Mon cœur s'est déchiré au-dedans de moi, quoi. J'avais mal. J'avais mal. Je ne sais même pas quoi dire, mais simplement, si je dois dire quelque chose, j'aimerais dire que si nous pouvons aider Pasteur Meshach, il a besoin de notre aide. Que Dieu vous bénisse.
Si cette vidéo vous touche, je souhaiterais que vous m'appelez. Je vais mettre mon numéro et je vais mettre le numéro du pasteur. Si vous pouvez l'appeler directement, c'est pas mal, c'est WhatsApp. Là, c'est son numéro, c'est le numéro de WhatsApp. Vous pouvez l'appeler aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.